Je sais cette chanson-là, Riverman, les violons à chaque fois, le cœur qui tombe en panne. Je sais cet amour-là, débutant, premier matin chez toi, l'escalier en partant. Et je sais dans un cinéma, ton visage, tes yeux qui s'inondent. Mais je ne sais pas si c'est tout le monde. Je sais cette forêt-là, 14 ans, les choses laissées là-bas, ultra-moderne enfant. Je sais ces années-là, les soirées, la fumée, la vodka, les amours, amitié. Et je sais la chambre avec toi, à 5 heures dans la nuit qui tombe. Mais je ne sais pas si c'est tout le monde. Je sais cette odeur-là, sur la place, tes parents ne sont plus là, ce parfum les remplace. Je sais cette chanson-là, Riverman, les violons à chaque fois, le cœur qui tombe en panne. Mais je ne sais pas si c'est tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Voilà, alors c'est quand même très particulier de venir chanter comme ça après son film. Je ne pensais pas vivre ça un jour dans ma vie. Et en plus, je ne sais absolument pas du tout ce que vous avez pensé du film. Je trouvais ça navrant. Le mec arrive sur scène hyper content de lui au piano derrière. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a fait un peu sens aussi parce que quand j'ai commencé à faire des chansons, j'étais souvent dans mon appartement à Rouen d'étudiant, et puis souvent j'avais un clavier numérique. Et quand je faisais du piano, je lançais toujours un film en même temps, sans le son. Et du coup, j'avais un peu l'impression de faire la musique du film, que les personnages du film allaient rentrer dans mes chansons, ce qui était le cas parfois. C'est l'époque où j'ai fait la chanson sur Fanny Ardant. Et d'une façon générale, j'étais très admiratif des compositeurs de musique de film, de Michael Nyman, de François de Roubaix, de Georges Delerue. Et souvent, j'écoutais leur musique, et rien qu'en traversant mon appartement, j'avais l'impression de vivre vraiment dans... que ma vie était incroyable, quoi, voilà. Et j'avais aussi le fantasme d'aller vivre à Paris, parce que c'était pareil, c'était un fantasme très cinéma, une volonté de rejoindre les films, d'être dans des cafés, de... tomber amoureux dans des cafés, voilà. Donc j'avais fait une chanson il y a quelques années qui parle un peu de tout ça. Je voulais seulement une journée, un train de banlieue un matin. Je voulais seulement arriver sur un générique de fin, juste une enquête
Sky et Lino. 77 et François Droubet dans le dos. Je réclame juste un plat du jour. En février à Paris, des taches de rousseur qui courent. La serveuse de la brasserie, juste un impair, juste une Peugeot. Boucler l'affaire et François Droubet dans le dos. Seulement une soirée. L'appartement Courbevoie, le papier peint orangé. Je voulais juste rentrer chez moi, les essuie-glaces, la porte maillot. Une vie qui passe et François Droubet dans le dos. Juste un impair, juste une Peugeot. Une vie à faire et François Droubet dans le dos. Merci. Écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, feignardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est resté indépendant, moi et fait. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents tous les week-ends. Tu parles pas des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu. Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus. Merci. Alors, en fait, quand à l'époque où j'ai fait mes premières chansons, je mettais quand même pas mal souvent des noms de gens et des noms de cinéma, donc souvent. Et puis, du coup, il y a quand même des gens qui m'ont dit un petit peu, là, il y en a un peu trop souvent.
Donc j'ai fait hyper attention pendant plusieurs années. Enfin, j'ai pris sur moi et j'ai pas trop mis de nom. Et puis là, je ressors un album en octobre et j'ai reflanché. Et donc, la dernière chanson que je vais chanter est une chanson donc, qui contient un nom propre de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et pareil, qui fait un peu sens parce que c'est quelqu'un qui fait partie des gens qui m'ont donné l'envie et puis l'idée de faire un film un peu comme celui que j'ai pu faire, un peu hors compétition. Voilà. Stadium, défense, arena, les charrues, le concours sous la douche. Si on peut ce soir effacer le carton, 3 millions d'entrées, simplement dire ce qui nous touche. Si on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. Si on peut vivre une vie varda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. Si on peut regarder ailleurs, pas le clash, pas les chroniqueurs, quelquefois, chercher l'élégance. Si on peut trouver la beauté, un visage par le temps froissé, dans la nuit, un danseur qui danse. Si on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. Si on peut vivre une vie varda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. À Lisbonne, un matin d'été, si je peux, encore un instant. Si je peux vivre comme Agnès, parler avec toi dans la pièce et ressentir une émotion. Si je peux vivre une vie varda, marcher sur le sable avec toi, faire une vie hors compétition. Si je peux vivre comme Agnès. Si je peux vivre une vie varda.
Ce soir, ciné et concert sont deux mots qui vont très bien ensemble. Merci Vincent Delerme.